aujourd'hui, ça fait à peu près 10 jours que je suis rentrée du Japon et je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous montrer tout ce que j'ai acheté et ramené de là-bas. Du coup, je vais commencer avec la section nourriture. La majorité de ce que j'ai ramené, c'est pour mes collègues. Du coup, je commence par ça. Donc, j'ai pris des Kit Kat à la fraise. Alors, honnêtement, moi, je les ai déjà goûtés. Je trouve ça immonde. En fait, je trouve que les Japonais adorent la fraise et il y a des choses à la fraise partout chez eux. Mais en fait, c'est à l'arôme fraise, très chimique. Après, je leur ai acheté divers paquets de bonbons que je n'ai pas goûté non plus. À mon bureau, on est super fan de dégustation en tout genre. Donc j'ai commencé par des espèces de bonbons à la pêche. Ensuite j'ai pris des bonbons au soda. J'en ai pris plein de sortes différentes. Hop. Voilà. Donc ici ça ressemble à des gelées. Ici il y a des espèces de dragées. Et alors celui-là, ça a l'air d'être un dragée avec un cœur, peut-être un cœur coulant, je sais pas trop. Et ça, c'est la seule nourriture que j'ai ramenée pour moi. C'est encore quelque chose que j'ai découvert dans une ancienne Candy Sandbox. Donc en fait, c'est des soupes miso aux champignons. Et voilà, je suis trop contente de les avoir trouvées. Enfin, c'est Blacky qui les a trouvées, pour être précise. Et il en était très fier. Donc, merci Blacky. Section suivante, les goodies Pokémon. Alors du coup, ceux qui regardent sur ma chaîne savent que je suis vraiment fan des Pokémon. Au Japon, il y a énormément de Pokémon Store, c'est des magasins entièrement dédiés à Pokémon avec plein de goodies. Mais il y a aussi des Pokémon Café et plein de choses à thème Pokémon parce qu'au Japon, c'est vraiment quelque chose de très important, je pense, dans leur culture. Et je me suis acheté plein de trucs Pokémon. Du coup, on commence. On commence avec Poussacha. Il fait partie des derniers starters du dernier jeu et c'est le starter que j'ai choisi. Et je l'aime trop en fait. J'adore les chats, j'adore les plantes. Alors un chat plante, forcément, c'était fait pour moi. On continue avec un Pikachu très particulier, vous allez voir. En fait, ce Pikachu, il a quelque chose de particulier, c'est que c'est une exclusivité à un Pokémon Center de Kanazawa. Et j'avais vu que dans cette ville, vraiment juste dans cette ville, il y avait ce Pikachu avec un yukata. Et en fait, j'avais peur de ne pas le trouver. Je voyais pas trop d'infos sur Internet. Et en fait, j'ai eu la bonne surprise de le voir au Pokémon Center. Alors, je suis allée à la période de Pâques, à peu près, hein, un peu avant Pâques, du coup, au Japon. Et en fait, avant chaque saison particulière, dans les Pokémon Center, ils font des peluches spéciales. Et du coup, j'ai ramené la peluche Pikachu de Pâques. Alors, il faut savoir que là, j'ai pas mal de trucs Pikachu, mais je n'aime pas du tout ce Pokémon. Par contre, je voulais vraiment cette peluche exclusive pack parce que du coup, lors de mon précédent voyage, Blacky m'avait offert une peluche aussi saisonnière d'Halloween de Pikachu. Donc j'ai un Pikachu d'Halloween et du coup, je voulais un peu compléter la collection. Je trouvais ça sympa de m'acheter les exclusivités. Du coup, dès que la saison est finie, c'est fini, on ne trouve plus ces peluches en vente. Alors, encore une peluche et encore Pikachu de pack. Cette fois-ci en version mini. Hein. Celui-là, en fait, il est pour Sam, du coup, c'est un cadeau. Je voulais pas lui montrer, mais je vais la voir avant la sortie de cette vidéo, donc bon, la surprise reste sauve. Les goodies suivants, en fait c'est des pailles. Et en fait ces petites pailles, je les ai pas achetées au Pokémon Center, mais en fait on a fait avec Blacky un Pokémon Café, et on a pris chacun une boisson. En payant un peu plus cher les boissons, en fait on pouvait avoir ces pailles du coup en plastique avec des acryliques et les ramener chez nous, donc bon, on est des bons pigeons, on a pris avec les pailles. Le goodie suivant de Pokémon que j'ai ramené, c'est une bombe de bain. Alors je vous avoue que j'espère avoir ou Poussacha ou Evoli. Donc je pense que comme je suis extrêmement malchanceuse avec tous les trucs de hasard, je n'aurai aucun de ceux-là. Sachez que j'aurai probablement celui que j'aime le moins, donc probablement un des deux autres starters, je pense. Le goodie suivant Pokémon que j'ai ramené, c'est un tote bag. Et on va découvrir ensemble le design de ce tote bag. Il est peut-être un peu grand pour rentrer à la caméra, donc on va essayer sur celle-là. Le goodie suivant, c'est pas vraiment moi qui l'ai acheté, c'est Blacky en fait qui me les a achetés. Il m'a acheté des cartes Pokémon que j'ai choisies, hein, bien évidemment, donc je les ai retournées. On va découvrir ensemble. Hop.
Alors la première, la carte suivante, hop! Et la petite dernière. Alors, celle-là, on l'a achetée vraiment genre en mode couple hein, pour nous deux avec Black. Goodies suivant, Pokémon in box mystère. Faut savoir que j'adore les box mystère, vraiment, je les adore. Donc, celui-là que j'aime le moins, je dirais que c'est celui-là. Et mon préféré, celui-là avec Evoli. Donc, on va voir. Donc je sais quel Pokémon on a eu. Alors je suis plutôt contente en vrai. Il est plutôt mignon. Ça va. On n'a pas eu de la super chance, mais on n'a pas non plus eu de la malchance. Du coup je vais ranger tout ça et on passe à la catégorie suivante de souvenirs que je me suis ramenée du Japon. Aller assez vite parce que je ne vais pas déballer ce que j'ai acheté parce que ça sera pour une prochaine vidéo. Je veux faire une vidéo un petit peu grillée au hasard et en fait je voulais les faire avec des gachapon japonais. Pour ceux qui savent pas, il y en a partout au Japon et pour 300-500 yens en fait tu peux tirer des petites figurines au hasard en gros. Et en fait bah, j'en ai acheté un peu beaucoup. Ça fait quand même de quoi faire. Il y a un peu de tout, hein. On les voit un peu à travers, donc je vais pas trop vous les montrer, mais il y a beaucoup de thèmes animaux, il y a sûrement du Pokémon, je me souviens pas trop de tout ce que j'ai acheté, il y a sûrement des renards, des thèmes un peu sorcellerie, des trucs un peu mignons, rigolos, et voilà, ça me fait un bon paquet de choses à ouvrir avec vous lors d'une prochaine vidéo. Allez, section suivante. Donc en fait, la section suivante, c'est une section manga. Alors, je sais que beaucoup de gens qui vont au Japon et qui aiment le Japon, ils sont guidés par leur amour du manga, leur passion du manga. Moi, c'est pas mon cas. J'ai été très fan de manga et d'anime quand j'étais adolescente et maintenant, ben, plus trop, j'en lis très peu. Mais il y en a un que j'adore, qui est sans doute mon manga préféré de tous les temps, que je trouve magnifique, exceptionnel, c'est l'Atelier des sorciers. J'ai décidé de m'acheter le tome 1. En japonais. Et quelques jours après, j'ai trouvé le dernier tome sorti, le tome 13. Et en fait, c'est un tome collector avec un goodies. Je pense qu'on aura probablement le même goodies chez nous aussi, mais forcément, ça m'a donné envie d'acheter aussi le tome collector. Donc je me retrouve avec le tome 1 et le tome 13 de l'Atelier des sorciers en japonais. Et du coup, c'est un tote bag et une petite trousse chapeau. Et je vous propose qu'on l'ouvre ensemble parce que c'est trop mignon. Alors du coup, je m'attendais à quelque chose un peu en tissu, mais c'est vrai qu'on voit ici que c'est plutôt du polyester. Mais voilà la petite trousse. Est adorable, je sais pas ce que je vais mettre dedans mais je trouve ça trop chou. Et le tote bag, on n'a jamais trop de tote bag, comme je vous disais tout à l'heure, je suis une grande collectionneuse donc ça tombe plutôt bien. J'aime pas trop la matière mais après au moins j'aurais moins peur de l'abîmer en vrai, donc je pense que je l'utiliserai quand même. Et puis il prend pas trop de place quand il est plié, c'est plutôt sympa. Je vous avoue que j'ai développé une passion pour les aimas. En fait, les aimas, c'est des plaques votives qu'on trouve dans les temples japonais et sur lesquelles on écrit nos souhaits, nos vœux et qu'on peut accrocher sur des portants dans le temple. Mais du coup, dans tous les temples shintoïstes quasiment au Japon, on peut en trouver. Du coup, j'en ai acheté pas mal. Alors, on est l'année du dragon, je crois. Donc, il y avait pas mal de petits aimas avec des dragons. Là. Que je trouve adorable. Et celui-là, j'avais repéré le temple avant d'y aller. Suivant, je vous les présente pas dans l'ordre, mais celui-là, je le trouve trop fort, du coup. En forme de tori, j'adore, je trouve ça original. J'aime bien les aimas qui ont des formes bizarres, et au début, je savais pas qu'au Japon, ils en avaient aussi. Je pensais qu'ils avaient tous les formes traditionnelles.
Et au final, non. Il y en a plein des originaux. J'avoue, j'ai pas mal craqué sur des originaux. Cette Emma a la particularité d'avoir le centre qui s'enlève. Avec un petit tampon dessus. L'Emma suivant, ce n'est pas un vrai. Du coup, c'est un faux parce qu'il y a des vrais que tu achètes dans les temples. Et il peut y en avoir des faux dans les boutiques de souvenirs. Mais en fait, au temple Inari à Kyoto, qui est un temple rempli de renards, il n'y avait pas d'Emma avec des renards et j'étais un peu déçue. Et en fait, dans une boutique souvenir à côté, il y avait ce petit Emma, ce faux Emma, du coup, avec un renard et les tories. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Faux autre Emma que j'ai acheté, c'est celui-ci. L'Emma suivant est exceptionnel. En fait, un Daruma, en général, il n'a pas les yeux colorés ou il n'en a qu'un seul. En fait, tu coloris le premier œil en faisant un souhait. Et tu coloris le deuxième seulement une fois que tu as atteint ton objectif, que ton souhait s'est réalisé. Et en fait, la chaîne a passé les 30K pendant que j'étais au Japon. Et je me suis dit que ça serait sympa de colorier ensemble le premier œil et de colorier le deuxième une fois que la chaîne aura atteint 100K. J'espère qu'elle le fera un jour. C'est vraiment mon objectif. C'est vraiment mon rêve pour moi que ma chaîne atteigne les 100K. Et dans la prochaine vidéo, qui sera, je vous spoil un peu, une vidéo qui célébrera les 30K, je pense qu'on dessinera l'œil du Daruma ensemble et on croisera les doigts pour atteindre ensemble les 100K. Tadam ! Un petit Shiba, il est trop chou. Le dernier Emma que je me suis acheté, c'est celui-ci. Celui-là, ça a été aussi acheté dans un temple Inari comme celui-là de Kyoto, sauf que c'était celui de Tokyo. Et on l'avait pas fait, je crois, lors du premier voyage. Et en fait, il était magnifique. Je pense que c'est un de mes des plus beaux temples que j'ai fait à Tokyo. Malgré les énormes temples touristiques, bah là, celui-là, il y avait quasiment personne. Et il était vraiment très beau. Je prépare le set de ma prochaine section, qui est probablement mon pôle de dépenses le plus gros au Japon. Bon, si on enlève le matos d'art qui va arriver, mais là, je me suis fait plaisir. Il faut savoir que niveau goodies, j'ai deux passions dans la vie, c'est Pokémon et les studios Ghibli. Et j'ai acheté plein de choses Ghibli au Japon. Déjà parce que chez eux, comme pour les Pokémon Store, il y a des Ghibli Store partout. Partout, hein, les studios Ghibli et Miyazaki, tout ça, c'est hyper important pour les Japonais. C'est une grosse partie de leur culture et ils ont des petits goodies partout, déjà dans les Ghibli Store, mais aussi dans à peu près tous les magasins que vous pouvez croiser. Et j'adore ça, c'est un peu mon péché mignon. Alors j'ai dépensé une somme folle là-dedans parce que les trucs officiels Ghibli, c'est très cher. Mais avec le taux de change japonais, c'est beaucoup moins cher que chez nous. Alors on va commencer avec du papier. Du coup, ça pourrait rentrer dans la section art, mais j'ai pas voulu séparer tout ce que j'ai acheté de Ghibli. Dans le côté un peu papeterie aussi, je me suis acheté des washi tape. Et du coup, avec des petits Totoro blancs et des petites boules de suie. Je trouvais ça mignon. Les goodies suivants, c'est des petits aimants. Je vais les sortir du coup des emballages. Je les trouve trop beaux. Et en fait, mon frigo est magnifique. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le montre maintenant. Ensuite, on a des petits tampons. Là, pareil, hein, j'ai pensé à mes patronnes. Je pense que je vais tamponner des enveloppes avec ça. En plus, je trouvais qu'ils allaient trop bien ensemble. Et c'est pas les seuls tampons que j'ai achetés sur le thème des studios Ghibli, parce que j'ai aussi trouvé ça. On va l'ouvrir ensemble. Cette fois-ci, on a l'encre au milieu. Et on a des tampons miniatures. Trop beau. Et j'étais obligée de m'acheter ça. Et vraiment, il y a plein de compositions différentes qu'on peut faire avec tous les éléments dedans. Et j'avais envie d'une petite figurine. Déjà, lors de mon précédent voyage, je m'étais ramené une figurine. Donc, c'était l'occasion. Ah, celui-là, il allait un peu avec les aimants. Je l'ai acheté au même endroit, mais cette fois-ci, c'est un pins. J'ai une mini collection de pins, vraiment rikiki. Mais celui-là était joli. Donc, je l'ai acheté pour compléter. Ici, on est sur de la petite construction, en fait, c'est du paper art. Et bah, je le ferai probablement en live. Et maintenant, la section qui nous reste, c'est les mystery box. Et celui-là, c'était un gachapon. Et c'est le seul qu'on va ouvrir ensemble parce que vraiment, on voit la tête, donc on voit ce que c'est. Il y avait le choix
toute façon, on pouvait avoir que des têtes de Chabuz. Et ce qui changeait, c'était ce qu'il y avait ici en haut. Et voilà le résultat. Et je vais essayer de vous retrouver la vidéo que j'ai faite avec tout le reste. Et on va voir si j'ai eu le plus beau ou le plus moche. Dites-moi en commentaire lequel vous auriez aimé avoir. Et si vous trouvez que j'ai eu de la chance à ce tirage de gacha. Personnellement, je le trouve trop beau. Mais je pense que ce n'était probablement pas mon préféré. Ici, je me souviens, c'est un petit charme du coup d'un Totoro en pierre, vraiment en pierre. La malchance à l'état pur. Vraiment, vraiment, ça c'est du moi tout craché. Tu peux avoir plein de pierres différentes, de couleurs différentes, de variétés différentes. Et moi, j'ai le transparent. Classique, je ne suis même pas surprise. Donc on va commencer par celui-là. Je pense que le badge que j'aimerais le plus avoir dans cette série, c'est probablement... j'ai du mal à choisir tous ceux avec Gigi tout seul. Et ceux que j'aimerais le moins avoir, bah, c'est ceux avec Kiki. Et probablement celui-là que j'aime le moins, c'est celui-là. Bon. Bon, c'est mignon, hein. Il est dessus en petit. C'est... Voilà. Suivant. Alors, j'aimerais bien avoir ou Totoro, ou Gigi, ou le Chabuz, ou le Yokai, ou celui-là, je sais plus comment il s'appelle. Et celui que je veux le moins, c'est celui-là. Vraiment, je ne le veux pas. Bon, alors il fait partie de ceux que je voulais avoir. Donc ça va, je suis contente. J'aurais bien aimé avoir Gigi quand même, vu que je le voulais dans les badges d'avant. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Donc ça va, je suis contente. On continue avec celui-là. Alors, comme tout à l'heure, je vous dis mon préféré, celui-là que j'aime le moins, comme ça. On est en phase. Celui-là que j'aime le moins, c'est celui-ci. Et celui-là que je préfère, je pense que c'est celui qui crie. Bon, mais du coup, c'est pas mon préféré, mais il est plutôt rigolo. C'est pas le plus mignon, hein, mais il est rigolo. Donc, disons que j'ai une chance entre les deux. Je vais dire que ça, c'est une chance entre les deux. Alors, est-ce que je cadre? Ça, c'est chance entre les deux. Ça, c'est malchance. Et ça, c'est chance. Celui-là, je dirais entre les deux. Et celui-là, malchance. On continue avec... je vais ouvrir un Totoro. Allez, c'est parti. Je me suis un peu précipitée avant de découvrir ce que c'est. Il faut quand même que je vous dise mes préférés, ceux que j'aime le moins. Je pense que celui que j'aime le moins, c'est celui-ci. Parce qu'il y a un personnage, donc j'accroche moins. Et mon préféré, je pense que c'est celui-là. Mais j'aime aussi beaucoup celui-ci. Alors, première box, Totoro. Je me suis spoilée. À votre avis, je vous ai dit que j'avais pas de chance. J'ai celui que bah, je voulais le moins. Voilà. L'histoire de ma vie. Donc celui que j'aime le moins, oh c'est difficile, ils sont vraiment mignons. Je pense que c'est celui-là, celui-là qui marche. Et mon préféré, je pense que c'est celui-là qui se gratte. Et mais j'aime aussi beaucoup celui qui dort. Je ne regarde pas. Je vous laisse découvrir en premier. J'essaye de déballer sans tricher. Ah, j'espère que je suis dans le champ. Oh, oh j'adore. Il est plus beau que sur l'emballage en plus. Oh, trop bien. J'ai eu mon préféré. Franchement, j'ai eu celui-là que j'aimais le moins. Et là, j'ai eu un de mes préférés. Ça va, ça va, ça s'équilibre. Pour l'instant, on est quand même un peu plus de malchance. Mais c'est correct. Ouf que j'ai pas regardé. Je vais vous dire quand même ce que j'aime le moins. Je veux pas ça. Je veux pas cet énorme caca, s'il vous plaît. Sinon, mon préféré, je pense que c'est, bah, forcément le dragon. Mais j'aime aussi beaucoup, bah, lui, forcément.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a le caca? Ah, bon. On a celui-ci qui était vraiment sans plus, mais disons qu'on va dire que c'est un tirage moyen. Allez, on y croit. Il est quand même bien beau celui-là. Je suis contente du coup d'en avoir acheté deux. Parce qu'imaginez, j'aurais acheté que celui-ci. J'aurais été déçue. Et bah du coup, il vient dans les tirages moyens. Voilà. Du coup, c'est ce qui clôt la section Ghibli. Et on passe à la section suivante. Alors cette section-là, je vais l'appeler la divers, c'est un peu tous les goodies et souvenirs que j'ai achetés que j'arrive pas à classer dans les autres catégories. Et on commence par quelque chose que je n'ai pas acheté, mais que je me suis fait offrir par Blackie. C'est du coup une pochette pour téléphone. Lors de mon premier voyage au Japon, Blackie m'a acheté une pochette pour mon téléphone et elle est aujourd'hui encore utilisée. Est très abîmée et du coup c'était l'occasion de la changer avec la symbolique du c'était un cadeau de Blackie au Japon, aussi un nouveau cadeau de Blackie au Japon, et elle est super mignonne celle-ci, toujours dans un tissu un peu japonais avec une petite poignée si jamais je veux me trimballer qu'avec mon téléphone. Le goodies suivant, c'est un nouveau pins. Celui-là je l'ai acheté lorsqu'on était à Nagano voir les singes, j'avais vraiment envie d'un souvenir de cet endroit. Parce que je pense que c'est la plus belle chose et la plus belle activité que j'ai fait lors de ce voyage. Mon plus beau souvenir. Et j'ai fait des images magnifiques. Et je ne sais pas si je vous montre tout dans cette vidéo ou si je vous les montre dans une autre vidéo. Mais vraiment, je vais vous les montrer parce que c'est vraiment splendide. Et par contre, en off, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai énormément pleuré ce jour-là. Parce qu'il neigeait beaucoup et c'était dans la montagne. L'aller, c'était ok. Le retour... Descendre une pente verglacée et enneigée avec des chaussures de ville. Je suis tombée 4 fois, je me suis fait mal, mais vraiment mal. J'ai cru que j'allais me faire une entorse et que j'allais plus pouvoir marcher. Pendant 2 jours, j'ai eu du mal à marcher. Souvenir suivant, je l'ai acheté au temple Inari de Tokyo. Et en fait, voilà, apparemment, il y a une petite prière à l'intérieur ou des petits vœux ou un tirage ou je ne sais pas ce que c'est. C'était vraiment dans le temple. Et là, dans un truc touristique, je me suis acheté un autre renard parce qu'on n'a jamais trop de renards. Et parce que j'aime bien les magnettes et qu'on n'a jamais trop de renards, dans vraiment en autre attrape-touriste, vraiment, j'ai vu, hein, c'est made in China, je le sais, hein, mais il était trop mignon. Donc voilà, mon frigo avait besoin de ce magnette-là, donc j'ai dû acheter ce magnette-là, évidemment. Ensuite, on entre dans le thème chat. Faut savoir qu'avec Blackie, on est des grands amoureux des chats. Et j'ai vu cette espèce de petite scène, encore un peu en mode Pepper Heart, petite construction avec des figurines trop drôles. Et je sais que vous aimez ça, je suis sûre. J'ai acheté des box mystères sur le thème des chats. Alors ici, on a des chats qui pêchent. Ils sont vraiment trop forts. Alors du coup, celui-là, je les aime vraiment tous. Je pense que celui-là que j'aime le moins, c'est le tout noir. Et mon préféré, c'est probablement l'obèse. Vraiment, je croise les doigts. Du coup, on est dans un tirage chance mitigé. J'ai pas celui-là que je préférais, mais j'en ai un qui est pas mal. Alors, je vois que la canne à pêche, c'est genre du fil à coudre. Et une perle. Je ferai ça en off tout à l'heure parce que sinon cette vidéo n'aura jamais de fin. Mais en gros voilà, j'ai eu le chat poilu, poil long. Ça me convient bien parce que du coup Ivy c'est un chat poil long, donc ça me va. Ensuite, ceux-là, très drôle aussi. Je pense que mon préféré est probablement, je ne sais pas si je préfère celui-là qui a le cul en l'air ou celui qui a la tête en l'air, mais vraiment ils sont trop, trop mignons. Et probablement celui que j'aime le moins, c'est celui-ci. J'ai eu un de mes préférés. Il est vraiment trop drôle. Franchement, ça me fait trop rire. C'est vraiment juste ridicule, mais j'aime trop. J'aime trop, je suis fan. Que voulez-vous? Alors, la box suivante, c'est des petits chats qui prient. Je trouvais ça mignon.
Donc je me suis dit pourquoi pas. Celui-là que j'aime le moins, je pense que c'est celui-ci. Et mon préféré, c'est probablement celui-là. Si je me spoile pas. Celui-là que j'aime le moins. Donc, ici, nous avons quand même un tirage équilibré. Un tirage pas de chance, un tirage moyenne chance et un tirage chanceux. Alors, cette section, c'est la section Gotochi Card. Du coup, c'est des cartes postales qu'on peut retrouver dans les postes japonaises et il y en a des modèles différents dans chaque préfecture. Et en fait, on a traversé énormément de préfectures lors de notre voyage et je me suis donné pour mission avec Blackie de réussir à acheter une Gotochi Card dans chaque préfecture. Ok, donc... ma petite collection, donc un sumo. Elle me plaisait pas toute, hein, mais j'en voulais une par préfecture où je suis allée. Donc voilà, ça c'est Oita, du coup c'est Badu, c'est la dernière préfecture qu'on a faite. Parce que là je les ai pas classées. Celle de Tokyo, on est allé aussi à Osaka, à Nara. La deuxième de Nara. Ensuite, Kyoto, vraiment Kyoto, elles sont belles. Hop, j'en ai pris une deuxième encore de Kyoto, à Nagano. Ensuite, la préfecture d'Ishikawa. J'en ai pris un autre à Ishikawa, que je trouvais sympa. Et comme j'ai adoré, j'ai pris encore une Gotochi Card d'Ishikawa. Et je pense que c'est ma préférée de toutes mes cartes. Ensuite, la préfecture de Mie. Et la Gotochi Card que j'aime le moins de toute ma collection, mais c'était la seule qu'il y avait et je voulais absolument une carte par préfecture traversée. Voilà, donc je me suis acheté une carte avec des tonneaux et des cailloux. Voilà, ma plus belle pièce. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est la Gotochi Card que vous avez préférée. On arrive à la section que vous attendez le plus, la section que j'avais le plus hâte d'acheter en venant au Japon, le matos d'art. Si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas ce chapitrage. Vraiment, je vais tout vous montrer, mais je vais pas les tester, on les testera ensemble dans une autre vidéo. Et je ferai des dessins avec et plein de vidéos avec, donc en fait cette section, elle va spoiler pas mal de prochaines vidéos. Je commence par ceci. Ce sont des shikishi. Alors les shikishi, c'est vraiment typique du Japon. On en trouve aussi en France, hein, bien sûr. Il y a Graphite qui en fait, par exemple. C'est des feuilles cartonnées avec des liserés d'or, d'argent. Vraiment, c'est très quali. Et ça faisait longtemps que je voulais faire un dessin sur Shikishi. Et je voulais même faire un dessin sur Shikishi d'un personnage avec en relief les bijoux, les coiffures, les rubans, peut-être du tissu et tout. Donc j'ai acheté ces Shikishi spécialement pour ça. Donc je vais faire une vidéo Shikishi. Je me suis aussi acheté des petits Shikishi. Parce que je me disais que dans la vidéo où je ferai le grand shikishi, peut-être que je pourrais en faire des plus petits. Alors il faut savoir que pour aller avec ce shikishi, j'ai pris du papier dans les teints bleus, hein, parce que j'avais acheté à la base un shikishi bleu. Je me suis acheté des petites fleurs à coller aussi, des petites fleurs blanches, peut-être pour des boucles d'oreilles, des fleurs dans les cheveux, quelque chose comme ça. Je me suis acheté du tissu japonais, celui-là dans les tons bleus, au cas où si je veux l'utiliser sur le shikishi bleu. Je me suis aussi acheté du tissu, je me suis encore acheté des bijoux, du nail art à la base, hein, mais du coup pour les coller toujours sur mes shikishi pour faire les bijoux de mon personnage, et des paillettes. Je sais pas quel est le projet, on verra, je vais probablement aussi encore ajouter des rubans, des trucs comme ça, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. On continue avec des trames. Pays du manga, dit tram. Alors c'est plus trop utilisé aujourd'hui parce que maintenant les trames et les textures, c'est tout ce qui est tram, fond, texture dans les mangas sont faites en numérique. Mais à la base c'était fait avec des trams, donc je me suis dit que je pourrais faire une illustration plutôt dans son style manga. Du coup, et utiliser quelques trams. Dans tous les pays qu'on visite, je veux vraiment un sketchbook. Là il est vraiment made in Japan, donc je veux un sketchbook qui vient du pays qu'on visite. Et celui-ci,
est magnifique, en bois, avec des sakuras, avec vraiment des écritures, et en plus il est en accordéon. Et j'ai trouvé des petits cornets de glace et de la crème, de la fausse crème chantilly. Vous voyez, c'était des trucs un petit peu comme ça ou comme ça. Et en fait, j'ai pas trouvé de petites fraises, de petits coulis, de trucs comme ça. Donc je m'achèterai ça, je ferai des recherches pour les acheter de mon côté. Mais ça pourra probablement être une vidéo à venir. J'avais trop envie d'essayer cette crème. Vous savez, il y a plein de gens qui font de la crème sur les coques de téléphone. Et en fait, c'est exactement ça. J'en ai acheté des différentes et ça sera probablement une prochaine vidéo aussi. Qui dit matos d'art dit aussi papeterie. Qui dit papeterie dit washi tape. Encore des nouveaux washi tape que je viendrai mettre sur mes lettres Patreon. Alors il y a beaucoup de chats, mais il y a aussi du poisson. Encore du chat. Encore du chat. Encore du chat et du renard. J'ai trouvé un espèce de kit comme ça de stickers de vitrail. Du coup, je me suis dit, c'est sympa et ça peut me donner envie d'en faire moi aussi vraiment en mode DIY. Mais du coup, avoir le kit aussi, bah du coup, je trouvais ça chouette. Je me suis aussi acheté ça en magasin d'art. C'est un kit pour faire ses propres acryliques. Donc les acryliques, je vous rappelle ce que c'est. C'est ceci, c'est très à la mode en ce moment. Moi, je trouve ça pas terrible, mais si c'est fait maison, pourquoi pas. Donc je m'en suis pris un transparent et un pailleté. Et du coup, bah, je pourrais faire une vidéo où je fais mes propres acryliques, peut-être avec Moon ou autre, à voir. Je me suis acheté deux sets d'aquarelles. Le premier, vous les reconnaissez peut-être, parce que je suis super fan des Boku Hondo Made in Japan, et j'ai déjà deux ou trois de ces sets. Et je me suis maintenant acheté celui-ci que je n'ai pas encore et que j'ai trop hâte de tester. Les couleurs sont pastel, ça me ressemble pas. Mais je pense que ça sera très sympa. Et ensuite j'ai acheté vraiment un set que je voulais m'acheter depuis longtemps et qui n'est plus trouvable nulle part. C'est un set de Gansai Kuretake édition Alphonse Michaud. Donc voilà, ça faisait un moment que je lorgnais dessus. Et je l'ai trouvé du coup et je suis trop heureuse parce que vraiment sur internet tu pouvais encore le trouver mais super cher. Et là il était à un prix vraiment correct et les couleurs ont l'air magnifiques et j'ai vraiment trop hâte de tester ça. L'item d'art suivant que j'ai acheté c'est des crayons de couleur. Alors là je les déballe pas à mes sets hein, parce que je vais faire les tests et les swatchs dans une autre vidéo. Mais en fait c'est des crayons du coup Mitsubishi et c'est des polycolores et on a regardé avec Blackie et apparemment ça serait des Prismacolor version Japon quoi, dans le mood Prismacolor. Sachez que les Posca et les Copic, c'est une marque japonaise. Chez nous, ça coûte la peau des fesses. Ceci, chez nous, coûte entre 10 et 11 euros. Au Japon, ça coûte 400 yens. 400 yens, ça fait 2,50 euros. J'ai décidé d'en acheter quelques-uns parce que ça serait trop dommage de passer à côté. Et que potentiellement, ça pouvait compléter ma gamme de feutres avec des teintes que je n'ai pas. Du coup, j'ai essayé de prendre des teintes que j'avais pas trop dans mes autres gammes de feutres. Donc voilà ce que j'ai acheté en Copic. C'est pas tout. Je me suis aussi acheté des liners Copic. Parce que du coup, c'est les liners que j'utilise le plus. Je me suis acheté du coup en sépia et en noir. Ensuite j'ai acheté ceci, Made in Japan, parce qu'il était beau, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est un pinceau, liner, c'est vraiment plus pour de la déco que je l'ai pris, mais si ça se trouve il est bien. Vous voyez c'est une espèce de pinceau, je ne sais pas trop, on testera ensemble. Ensuite j'ai acheté des Posca, donc je me suis fait une petite réserve des couleurs que j'utilisais le plus. J'ai trouvé du doré et de l'argenté. Chez nous, on en a aussi, bien sûr, et j'en ai aussi, mais c'était pas des pointes fines, tandis que là-bas, je les ai trouvées en pointes fines. Et après, j'ai acheté ceux-là, qui me disent rien. Ça a l'air d'être des spéciaux du genre pailleté, peut-être néon. On les a peut-être aussi en France, hein, mais l'emballage était vraiment sympa. Je l'avais jamais vu chez nous. Et ça avait l'air d'être des couleurs hyper flashy. Je me suis dit, je vais tester. Ceci clôt la section art. J'espère que toute la variété de goodies que je vous ai présenté était intéressante. J'espère que vous avez hâte de voir les vidéos suivantes que j'ai teasées.
J'espère aussi que ça vous a fait plaisir de me voir parler sans avoir préparé aucun texte, d'être plus naturelle, peut-être, je ne sais pas, ou plus gênante. C'est possible. Allez, bisous!